Nous sommes donc maintenant dans l'île de la Cité, lieu important de l'occupation romaine de Lutèce, car c'est ici, pour la ville de Lutèce, que l'administration romaine avait son palais. Palais repris 2-3 siècles plus tard par Clovis, lorsqu'il a décidé de se sédentariser, de faire de Paris sa capitale, et de fil en aiguille, c'est devenu le palais royal, à l'emplacement de la conciergerie d'aujourd'hui. À l'époque gallo-romaine, la Seine venait à peu près jusqu'ici. Il faut imaginer des barques romaines sur une plage, c'était un petit port, et ça allait rester jusqu'à la construction des berges que vous voyez un peu plus loin. Chose pratiquement unique dans l'histoire de l'Empire romain, Lutèce, qui était quand même une ville importante, n'avait pas de murailles, il n'y avait pas d'enceinte. C'est en quelque sorte, pour les spécialistes en tout cas, une indication que la Pax Romana fonctionnait très bien dans cette ville. Jusqu'à la deuxième moitié du IIIe siècle. Et là, des barbares se dirigeaient dans ce sens, vers Paris, vers Lutèce. Barbares qui avaient pour nom, par exemple, les Allemands, voire les Francs. Barbares qui se sont plus tard christianisés, sédentarisés, sont devenus les Français. Mais à l'époque, c'était chaud. Sans muraille, la ville était sans défense. Alors, très rapidement, on a démantelé un certain nombre de monuments rive gauche, entre autres une partie de la pierre des arènes que nous avons visitée il n'y a pas si longtemps, pour construire une muraille autour de l'île de la Cité où nous nous sommes. Et la plupart de ces vestiges ont disparu. Mais en 1898, lorsqu'on faisait des travaux dans cette petite ruelle qui s'appelle rue de la Colombe, on est tombé sur les vestiges de cette enceinte gallo-romaine qui est maintenant matérialisée dans un pavage différencié dans la rue. Que voici. Cette muraille, dont vous pouvez visiter des vestiges dans la crypte archéologique, dont l'entrée se trouve sur le parvis de Notre-Dame, c'est très facile à trouver, cette muraille devait être drôlement solide, parce qu'elle a survécu, peut-être pas totalement intacte, mais plusieurs siècles, jusqu'à l'arrivée des Vikings, 9e siècle, et là, les Parisiens se sont dépêchés pour renforcer, rebâtir, réparer cette muraille qui a protégé l'île de la Cité pendant plusieurs incursions des Vikings dans la capitale française. C'est tout.